Ngessam Bakro, la tristesse et la consternation se lisent sur les visages, revenant de Toumoudi. Suite à un accident de la circulation, 5 ressortissants du village allaient perdre la vie, un autre dans un état critique. C'est donc pour marquer sa solidarité aux familles endeuillées et aux blessés que le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a, au nom du gouvernement, remis un soutien de 2 millions de francs CFA. Au nom de Madame la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, dire les sincères yako au peuple de Ngessam Bakro. Les dons ont été remis aux familles par le ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. La solidarité que prône son Excellence Monsieur le Président de la République à travers même son programme de cette Côte d'Ivoire solidaire à laquelle il tient particulièrement, cette solidarité ne trie pas. Ne trie ni campement, ne trie ni village, ne trie ni commune, ne trie ni département, ne trie ni district, et encore moins conseil régional. Ce sont tous les habitants de Côte d'Ivoire qui sont concernés par cette solidarité que prône son Excellence Monsieur le Président de la République. Un soutien bien apprécié. J'ai perdu mon mari. Il y a beaucoup de gens. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au cours de cette cérémonie, Raymond Goudou Kofi a offert la somme de 1 100 000 francs CFA. Elle a ensuite rendu visite aux seuls rescapés de l'accident. Sur place, elle a donné des instructions fermes pour son évacuation dans un hôpital spécialisé pour une meilleure prise en charge.